Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode sur Age of Empires saison 2. La dernière fois, on a fait une belle mêlée générale au milieu de la carte. Cette fois-ci, on va essayer d'être un petit peu plus stratégique en déplaçant toutes nos unités. Notre grande armée que nous venons de constituer qui se situe ici. On va voir ce que ça donne, puis on verra bien ce que ça donne, hein. Alors, pour compléter notre armée, il nous faut quelques zonacres supplémentaires. Ah, là, il y a encore des technologies que l'on peut faire. Un autre atelier de siège. Tac. Donc, hop, quelques zonacres supplémentaires. Donc, ici, c'est bon. Tac, voilà. Donc, ça va être pas mal. C'est étonnant, hein, j'arrive pas à ce que les unités se soignent. Pourquoi? Ok, bah, je sais pas. Si je les mets en garnison. Non, mais je peux pas les mettre en garnison. C'est pas des unités que je peux mettre en garnison, ça. Est-ce que je peux les mettre en garnison dans un château, éventuellement? Non, bon. Bah écoutez, c'est pas grave, on les emmène ici, et on verra bien ce que ça donne. Ok, bon. Alors, ensuite, niveau économie, on a encore des petits gars qui foutent rien ici. On n'a pas du tout développé... Ah, bah voilà, c'est là où se situent les dernières technologies que j'ai pas faites, c'est dans les camps de tir à l'arc. Je sais pas comment ils appellent ça, d'ailleurs. Camp de tir à l'arc, tout à fait, c'est exactement ça. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas développé toutes les technologies encore. Donc on va faire ça rapidos. Bon, c'est juste histoire d'arriver à 100% des technologies développées, ou pas loin, parce qu'il y en a celle-ci, par exemple, on la fera pas. Ouais. Alors j'ai regardé un peu les stats, on a bien avancé au niveau des unités détruites. On en a perdu un petit peu plus, nous aussi hein, bien sûr, mais c'est pas forcément super important. Tac tac tac, tac tac tac. Allez vas-y, mets un petit coup de machin. Ah, il y a des... Ouais, il y a quelques unités là par contre. Hein. Ça pourrait être intéressant d'amener la petite flotte parce que... Oh là ouais, il y a du bateau là, faut y aller, sinon on va se faire défoncer notre château. C'est important. Hop, ok. Donc là on bloque complètement l'entrée du port. Pof, la mêlée générale. Cette fois-ci elle se fait devant chez nous. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant. Et puis ils viennent tous les deux nous attaquer sans s'attaquer l'un l'autre. Nickel. Alors celui qui a la plus grosse armée, c'est le gars en rouge. Mais le truc, c'est qu'il est complètement à l'opposé de moi. Et du coup, bah, je le vois pas forcément beaucoup. Tac, 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 tac. Ah, ils peuvent venir. Hein. Voilà. Ok, nickel. Hop. Donc moi, je fais 20 bateaux. Eux, ils en font 50. En gros, c'est ça. Et je gagne. Ouais, l'idée, c'est quasiment ça. Hop. Alors, le problème, ça va être de pouvoir sortir de notre... Alors, prendre des risques. Hein. La stratégie, ça va être de dépositionner nos bateaux ici. Sécuriser cet endroit-là. Est-ce qu'on a notre armée au complet, là? Pas encore. Hop. Allez, on en refait quelques-uns. Tac, 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 tac. On va globalement utiliser toutes nos réserves d'or. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, regardez ça. Pouf. Il peut débarquer ses unités, hein. Pas de soucis. Je sais pas ce qu'il débarque d'ailleurs, rien. Ah si, un cavalier. Ok, nickel. Ça, c'est de l'armée. Alors, du coup, comme on va avoir un problème, ou pas loin, vous allez momentanément vous barrer. Hop, vous mettre ici. Libérer la porte qui craint un petit peu moins hein, parce qu'il y a quand même quelques bateaux pour protéger ça. Tac, ok. Et on va faire venir notre armée. Il en manque un pour avoir nos 45 cavaliers. Voilà. Ah, je peux pas tous les sélectionner. Je peux pas sélectionner plus d'unités que ça. Ok, c'est pas grave. Ah, peut-être que ça en fait plus finalement. Hop, viens dès ici. Hop. On ouvre la porte. Oui, on a attaqué. Oui, bah, qui viennent. On a perdu quelques bateaux, quand même. Hop. Qui viennent. C'est pas grave. Ah, je me fais couler des bateaux. Ouais, j'ai pas de navire incendiaire. Bah, c'est des trucs courte portée. Bon, c'est pas bien grave. Pof, ça va aller vite fait. Regardez ça.
Paf, paf, paf. Allez, défoncez-moi ça. Venez ici, il y a plus de place là. Oh, c'est pas croyable ça. Paf, paf, paf. Allez, hop, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On les défonce. Et avec tout ce que j'ai comme bateau, j'arrive pas à les avoir. Ça me plaît pas. Bref. Est-ce que mon armée est sortie? Non. Ah, c'est, elle est où? Ils sont passés où, mais... Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là? Ils sont cons? J'ai demandé de venir ici. Ah ouais, ils sont vraiment teubés, là, pour le coup. Hein. Et comment voulez-vous qu'ils descendent par là? Enfin, bref. C'est pas grave. Hop. Oh, je me fais défoncer. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Allez, hop, faut qu'ils viennent là, parce que sinon ça va pas marcher. Hop. Tac, tac, tac. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus équipé. En fait, faudrait un mixte entre plusieurs types de bateaux, j'imagine. Alors, j'ai fait ça pour que les gars puissent sortir, mais comme les gars ils se sont barrés, ça m'arrange pas. Bon, alors je crois que j'ai fail ma sortie, ma grande sortie. Peut-être que c'est pas le bon endroit finalement. Ouais, d'accord, ok. Allez, où mon armée là? Peut-être que vous allez juste rester là. Est-ce que je les sors? Je les sors pas. Allez, hop, on les sort, on y va. Allez, 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 go, 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 go. Oh, faut que je reproduise des bateaux là. Sinon, mon port va être complètement libre de passage. Et ça, ça va pas du tout. On va faire plusieurs types de bateaux. Ça aussi, un petit peu. Voilà. Allez, vous, par contre, faut y aller maintenant. On y va. Hein, parce que sinon. On va voir ce que ça donne. Ce qu'on peut faire avec, avec ça. Tac. Vous allez vous éloigner des cours d'eau quand même. Ici, on va être bien. Là, normalement, pour le reste, ça devrait le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est fermer, verrouiller la porte, redire à vous de venir ici. Et comme ça, on va voir si ce que ça donne. Hop, alors, notre petite armée. Bon, il n'y a pas de soutien d'engin de siège, ce qui est assez problématique, potentiellement. Allez, hop. Pouf. Voilà, on est trop près. Hop, on est trop près des cours d'eau. Vous voyez la distance à laquelle ils nous ont? Tac. Donc le naval est quand même vachement important. Donc là on est parti pour aller chez le Orange, chez Jean Ier. Le tout ça va être d'arriver à gérer notre progression par là, tout en faisant attention qu'il n'y ait pas trop qu'on nous détruise pas trop par ici quoi en fait. Hop là, tac. Donc là il y a un bateau, il y a un port. Ça peut être une bonne première chose à détruire. Avec le nombre qui sont... Ah non, il n'y en a plus. Il n'y a plus de port. Tant mieux. Hop. Allez, hop. On va essayer de progresser par là. Oui, oui. Si on se fait attaquer là, ça devrait le faire. Pas de soucis. Là, par contre, ça craint. Hop. On y va. Faut détruire les bateaux. Il y a plein de bateaux qui sont sur... pas sur l'eau, justement. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ah oui, oulala, 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 oulala. Ok. Donc là, si on n'a pas d'engin de siège, ça va être très difficile. Peut-être que si on avance en se fichant complètement des bateaux, on va voir ce que ça donne. Et en rentrant à l'intérieur. Genre là. Comme ils n'ont pas nécessairement de défense, on va voir ce que ça donne, hein. Après, si on se les fait détruire, on se les fait détruire. Oh, il y a des ports partout. Tu m'étonnes qu'ils produisent des bateaux à une vitesse folle. Par contre, ça doit leur coûter, ça doit leur coûter, quoi. Ouais, il y en a partout, partout. Voilà, là, ça va être plus intéressant. On y va, on rentre encore un petit peu à l'intérieur, parce que là, on est encore sous le feu possible des bateaux. Voilà, voilà, voilà. Hop, c'est une percée. Hein ? On n'a pas perdu trop de cavaliers pour le moment. Tac, tac, tac. Allez, hop, c'est là qu'il faut aller. De toute
toute façon, ils peuvent pas nous convertir parce que nos unités meurent quand elles sont converties. Hop, le château, tout de suite. Le château. Alors, avec des engins qui bombardent. Ça va, il n'y a pas trop de bâtiments. Donc, il y en a qui vont s'occuper du château. Les autres, vous pouvez vous occuper de ça. Hop, tac. Tac, tac, tac. Je sais pas si on va y arriver, hein, le niveau du château. Donc, il a beaucoup de bateaux, donc un peu moins d'unités au sol, du coup. Ok, ok, ok. Nickel. Donc, ça va se faire. Ça, c'est, son... c'est des hussards. Ah ouais, hussards, ok. Moi, j'ai des paladins. Hein. Ils ont 180. Ok, ok. Donc là, on va défoncer le château. Hein. C'est l'objectif pour le moment. Si on arrive à détruire un château, c'est autant de ressources qu'il devra redépenser. A priori, et puis après, il faut qu'il se concentre sur les unités au sol. Tac. Alors, ça aurait été bien d'avoir une deuxième armée qui les prenne par revers, en revers. Hop. Alors là, il y a des trucs dans ce genre de siège, j'imagine. Oh, c'est bizarre, ces trucs-là. Ok. Voilà, tac. Ah, voilà qui est intéressant. Hop, toi, allez, hop, fais-toi ces deux petits gars. Oui, oui, je suis attaqué, t'inquiète. Allez, le jour où ils auront plus de château, quoi que ce soit, c'est quoi ça? C'est Fretoria, portugais. À quoi ça sert ça? Je sais pas ce que c'est. J'ai pas ce bâtiment là, moi. Ah, là il y a un autre château. Donc faut peut-être aller détruire le château avant parce que le château il attaque alors. Vous trois, vous allez aller. Donc là il y a les châteaux. Ça, ça peut être intéressant. Ça évitera qu'il y ait trop d'agents. Ah, et ça et. Ça. Ok. Ouais. Concentrez-vous plus là-dessus. Ça sera beaucoup, beaucoup mieux. Bon alors c'est la méthode un peu brutale où on a juste juste attaqué quoi en fait. Hein. Je sais pas si j'en aurai assez. Le château, ouais si ça devrait le faire. On devrait pouvoir avoir ce château là et ensuite, alors là faudrait que j'ai des soutiens en fait. C'est juste ça. Ok. Ouais ce château là il commence à souffrir un petit peu aussi donc il va falloir que j'aille le réparer. Hop, vous, vous allez revenir vous mettre ici. Tac, et il va falloir que je relance un certain nombre de cavaliers pour avoir peut-être une flotte de secours. Donc on va faire des petites salves d'attaque comme ça. Hein. Ça me paraît être pas trop mal. Hop, donc là, ils ont rasé un deuxième château. Maintenant, il faut qu'ils rasent ce truc-là. Parce que ça, ça aussi, ça tire, donc... Hop, il y a des unités, ça sert à rien de se faire tuer s'il y a des unités. Hop, tac, tac, tac. Ouais, vous voyez que nos 45 cavaliers, ils sont plus très très nombreux. Ça, ça va relativement vite. Voilà, voilà, tac, tac, tac. S'il abandonne, c'est tant mieux. Après, ce sera beaucoup plus facile parce qu'il attaquera beaucoup, beaucoup moins. Tac, ah oui, il y avait des citoyens à l'intérieur. Allez, 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 hop, hop, on y va, on y va, on y va, on y va. On a détruit ça, nickel, allez, hop. Bon, on a détruit quand même des bâtiments importants, donc deux châteaux et un forum. Ce qui est pas négligeable, hein. Hop, là, il y a un bâtiment qui est en construction. On va le détruire. Alors, détruisez ça d'abord. Tac, ok. Bon, les citoyens, ça, c'est facile. La suite, c'est ça. Où est-ce qu'on se fait attaquer? Ok, ok, ok. Bon, bah là, ouais, ok, ça va. Et encore. Alors, ça veut dire qu'il y a quelques petites choses un peu partout. Hop. Voilà, voilà, faut détruire les cavaliers. On a la chance qu'ils fassent pas des... Comment dire, des unités trop haut level, hein, quand même. Il n'y a aucun engin de siège. Je suis assez surpris. Hop. Donc il y a forcément quelque chose qui produit des cavaliers quelque part, mais je sais pas où. Ça aurait pas été inutile quand même comme... Hop, donc nous on aura perdu 45 unités, et lui potentiellement autant. Mais on aura surtout détruit des bâtiments très importants. Hein.
Hop, ouais, il en arrive de partout, ça veut dire qu'il y en a un peu partout aussi. Tac, tac, tac. Ah, vous voyez, au niveau des ressources aussi, on a pas mal avancé, 52 000 de nourriture, donc on a de quoi faire, puis tenir quelques temps. Ouais, l'idéal, ça serait vraiment que j'arrive à faire venir d'autres soldats, là, mais... dégommer lui, là, pouf! Hop! Donc là, on le force à produire des unités au sol, ce qu'il faisait pas forcément trop, hein. Voilà, hop. Tac, 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 tac. Bon, c'est pas mal, dites-moi tout ça, hein. Oula, non, viens par ici, toi. Hop, un bâtiment de moins. Tac. À ce rythme-là, ouais, j'aurais eu le temps de faire revenir des unités. Hop. Donc, lui, on l'a un petit peu affaibli quand même, hein. Parce que mine de rien, perdre deux châteaux, c'est perdre pas mal de ressources, voilà. Alors ensuite, donc là, on a détruit ça, on va lui détruire les maisons, parce que c'est intéressant aussi les maisons. Enfin, pour lui. On va essayer de trouver la cavalerie, enfin le... Tac, ils en ont plus pour longtemps, mes soldats. Bon, c'est pas trop trop grave, hein, mais... Tac, on va essayer d'aller raser un dernier bâtiment qui est important. C'est va être une écurie. Il y en a forcément une dans ce coin-là. Donc on va continuer, voilà, on s'enfonce un petit peu plus. Voilà, c'est ça que je cherche. Parce qu'ils viennent à un rythme régulier, donc c'est qu'il y a forcément une écurie quelque part. Tac, tac, tac. Donc en détruisant ça, on va certainement l'affaiblir. Et puis on aura un peu plus de marge de manœuvre aussi dans ce coin-là. A priori. Hop, hop, hop. Bon, vous voyez, ça va relativement vite. Ça irait encore plus vite avec plus de soldats. Mais le problème, c'est de les faire sortir et. Ouais. Détruisez et tuez lui. Tac, 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 tac. Hop, c'est ça ensuite qu'on détruit. Pour éviter qu'ils continuent de produire des. des soldats. Hop. Ah, là, il a pris une unité un petit peu plus lourde. Tac, 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 ouais, et qui est en meilleure forme que les miennes, donc forcément. Tac, 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 ouais, et il est beaucoup plus fait, beaucoup plus. Hop, allez, on détruit juste l'écurie. Et ça sera super bien! Ah bah les gars, on a bien travaillé. Tac, tac, tac. Donc là, on est au bout du bout de son royaume. Oh, pas encore, a priori. Hop, ouais. Hop là, ça c'est pas mal, un petit moulin à détruire. Donc là on est au bout, hein. Il n'y a rien d'autre ici. Le moulin ça va pas forcément se servir à grand chose. Les châteaux permettent aussi d'avoir un peu, de contrôler un peu plus de population, mais semble-t-il. Affiche votre population actuelle sur le moulin avant de pouvoir. Hop. Ouais, ça bouge à chaque fois, c'est chiant. Qui c'est qui m'attaque? Ah bah c'est lui. Hop, ouais, ils sont plus que 4, hein. À 4, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Un petit peu de dégâts quand même, a priori. On le pousse à juste consommer des ressources. Bon, je pense que je vais juste laisser ça se passer et puis on va s'occuper d'autre chose. Alors, donc là, il y a toujours une flotte constante qui vient. On a des châteaux qui sont, mine de rien, assez abîmés. Ouais. Donc, on va demander à des petits gars qui sont là, hop, de venir le réparer. Celui-ci, en tout cas. Ici, oh, il est un petit peu en meilleur état, mais il a quand même la moitié des points de vie en moins. Donc, il faut que des petits gars viennent le réparer aussi. Donc vous avez bientôt terminé l'or de toute manière, mais on va vous envoyer réparer le château. Ici, il n'y a plus rien à miner. Là-bas, normalement, il y a encore des choses. Tac. Vous avez terminé ça. Donc bah ouais, forcément, va falloir vous de trouver une autre occupation. Cette autre occupation, cette autre occupation. Ah, on est attaqué partout. Oui, bon, là-bas, c'est normal. Ah, là par contre, est-ce qu'il y a encore des... Ouais, on va remettre quelques champs. En stock jusqu'au bout, comme ça on est tranquille pour un petit moment. Donc on a dit vous deux, vous trois, bah vous allez miner l'or maintenant, hein? Et puis vous deux, bah les limites aussi, comme ça on va en... Donc là on est un petit peu juste. Oh là là, par contre c'est la
la loose ici. Donc là, ça se répare. Là, ça se répare pas. Pourquoi ça se répare pas? Ils sont pas encore arrivés. Ouais, ils sont pas encore arrivés. Tac. Vous, je vous ai demandé de... Oula. Et il y a des trébuchés qui arrivent là. Oula là, ça c'est pas bon ça. Pof, pof, pof. Allez, appelez trébuchés en premier. Pouf, 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 pouf. Tac, ça c'est fait. Un autre à côté. Nickel. Et là... Ouais, faut vraiment faire attention hein, parce que ça va vite. Enfin, ils sont vite à venir nous détruire. Les tours ici, bon, ça va, elles sont pas trop. Donc vous pouvez retourner à vos activités, j'imagine. Hop. Vos activités, ça va être du bois, mais du bois plutôt dans cette direction-là. Hein. On va être honnête. Toi, c'est pareil. Donc du coup, vous deux, vous allez aussi participer à la construction. Tac. Voilà. Ok, il n'y a plus personne qui est là. Donc là, le château... eux, ils sont en train de le réparer. Voilà, nickel. Ah, il y a encore un trébuchet. Alors ça, c'est pas bon. Ah, vous voyez la portée que ça a, ces trucs-là. Hop. Donc, bah, remarquez les bateaux comme ça aussi. C'est des bateaux longue portée. Donc, va falloir qu'on trouve un mixte de... Voilà, tac, ça c'est parfait. Hop, des unités en moins pour notre petit ami. Ouais, ça sert à rien contre les bateaux proches. Hop, revenez par ici. Tac. Bon, bah écoutez, on est pas mal, hein, je trouve, pour cet épisode. On a fait une belle percée, hein, on a bien exploré du coup, je sais pas ce que c'est ce bâtiment, ça m'intrigue assez. On a cassé quelques bâtiments, on a vu que bah avec 45 cavaliers c'était un peu limite et qu'il allait falloir trouver un moyen d'en avoir plus. Ou d'introduire tout simplement des engins de siège. Bah pour ça j'ai ma petite idée. Hein. Donc l'objectif ça va être Jean en premier et puis ça, on va... certainement dans le prochain épisode continuer nos attaques contre lui, cette fois-ci avec plus de cavaliers, plus et surtout des engins de siège qui devraient permettre de détruire les bâtiments plus rapidement et de le faire abandonner. L'idée c'est de passer rapidement ces différents ports et d'en s'en occuper finalement après, une fois que bah, toute son économie est un petit peu détruite. Hein. Hop, ok. Bon, bah écoutez, on va mettre sur pause et on va s'arrêter là pour ce 8e épisode que je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt donc pour la suite de cette partie sur Age of Empires qui est assez... qui est beaucoup plus longue que la partie de la première saison et sur laquelle bah, on a quand même du fil à retordre parce que l'IA est quand même... bah voilà, ne relâche pas ses attaques. Hein. Vous avez pu le voir durant cet épisode. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la suite.